Merci à vous, Sarah et Chakim, et merci à tout le monde, à tous les organisateurs de la Semaine arabe. Une pensée aussi pour Houda Ayoub, qui, je crois, est la grande organisatrice depuis donc 20 ans, en fait, de ce qui est devenu le rendez-vous parisien des arabisants. Elle ne peut pas être là avec nous et elle le regrette. Et on a donc une pensée affectueuse pour elle. Intervenir dans cette belle aventure est pour moi un honneur, un privilège, une incongruité également, puisque accueillir un non-arabisant pour ouvrir votre semaine est quand même une idée étrange. Peut-être est-ce d'ailleurs par là que j'aimerais commencer. Qu'est-ce que ça peut signifier aujourd'hui, maintenant, ici, de ne pas savoir l'arabe ? De quelle myopie, de quel aveuglement cela peut-il se payer? Bien évidemment, on ne peut connaître qu'un nombre limité de langues, et le multilinguisme peut aussi se définir par son revers, c'est-à-dire toutes les langues, au fond, qu'on ne sait pas. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Umberto Eco avait raison de dire que la langue de l'Europe, c'est la traduction. Mais d'une certaine manière, je voudrais dire que cette inquiétude, qui est l'inquiétude de l'entre des langues, l'entre-deux des langues, pour reprendre une expression, et plus qu'une expression d'ailleurs, je dirais un souci, un beau souci de Camille de Toledo, qui réfléchit beaucoup à ce que la hantise européenne doit, au fond, à cette inquiétude de l'entre des langues, eh bien, d'une certaine manière, je dirais que c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui en toute simplicité et avec des propos qui, sans doute, vous sembleront décousus, et je vous prie par ailleurs de bien vouloir m'en excuser. Prenons d'ailleurs le titre même que je vous ai suggéré ou proposé, « Autre rivage, quelles histoires pour la Méditerranée ». En le proposant, je supposais que « rivage » pouvait être aisément traduit, parce que je savais que « Sahel » venait d'un mot arabe disant « le rivage ». Je le savais, et même, je dirais que je l'avais mieux compris en lisant des livres sur l'Afrique médiévale, notamment celui de François-Xavier Fauvel, qui s'appelle « Le rhinocéros d'or », et qui parle justement de cette symétrie entre ces deux bordures, celle du littoral méditerranéen, d'une part, le filtre sahélien, d'autre part, les deux ayant effectivement en symétrie le même nom arabe de Sahil, et expliquant comment, au fond, toute la distribution des pouvoirs, non seulement en Afrique, mais même au-delà, dans cet ancien monde dont l'Afrique, à ce moment-là, fait partie, peut s'expliquer par ce face-à-face entre ces deux franges, ces deux filtres, par de là lesquels, effectivement, passent de l'or et des esclaves, et avec lequel, d'une certaine manière, se construit un poumon qui n'est pas seulement économique, mais qui est aussi pleinement politique, puisque ce qu'on va appeler le Moyen-Âge est, au fond, un système de seuil où le pouvoir s'exerce davantage qu'il ne se détient et s'exerce précisément là où sont les portes, là où sont les seuils, là où on peut faire payer le passage. Et dès lors, il n'y a pas à s'étonner à ce que ce soit non pas les maîtres de la distance, les caravanes et les caravelles, mais précisément ceux qui maintiennent les seuils sur le littoral méditerranéen et sur cet autre littoral qu'est effectivement la frange sahélienne d'une Afrique qui, à ce moment-là, est dans le pli entre, justement, on le voit bien en Éthiopie, l'Afrique musulmane et l'Afrique chrétienne. Il n'y a pas à s'étonner que ce soit là, au fond, une des grandes flexures de l'Ancien Monde. Et d'une certaine manière, une fois que l'on comprend ça, eh bien, on comprend mieux aussi pourquoi cette symétrie, elle est attaquée aujourd'hui. Et elle est attaquée des deux côtés. Par, effectivement, le projet djihadiste
qui consiste effectivement à attaquer le seuil, à tirer sur le pont, comme dans tout projet de guerre civile mondiale, et dans ce cas-là, évidemment, le Sahel, en particulier le Sahel malien, est une cible, et à partir de son symétrique, et c'est bien malheureux, mais c'est ainsi qu'on le peut décrire, d'un projet européen qui ne saisit plus le littoral méditerranéen comme une frange, mais comme un front. Et dès lors, des deux côtés se déroule la même histoire, celle que Achille Mbembe, dans ce livre récent et dont je ne saurais trop vous conseiller la lecture, Politique de l'inimitié, appelle l'enclos. Si nous croyons que cela ne concerne que les autres, que l'histoire de l'Afrique du Sud, si nous oublions qu'en Afrique du Sud, par exemple, s'est joué rien d'autre que l'histoire du XXe siècle, de bout en bout l'histoire du XXe siècle, alors effectivement, on ne comprendra pas que cette politique de l'inimitié qui consiste effectivement à transformer des franges en fronts, c'est-à-dire à, au sens propre, barrer des frontières, eh bien, est le lot commun de l'humanité. Et dans ce cas-là, la seule chose rassurante qu'on puisse voir à tout cela, c'est que nous sommes embarqués dans la même histoire. C'est qu'il n'y a qu'un seul monde et une seule histoire. Et voilà pourquoi je disais, rivage, à mon avis, en arabe, moi qui ne connais pas cette langue, ça peut marcher. Mais alors, ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que Ouda Ayoub m'appelle en me disant, on a un problème pour mettre histoire au pluriel. En arabe, ça ne marche pas parce que mise au pluriel, histoire se dégrade en date. Et ce n'est pas ça qu'on voulait faire. Et moi, ça me plaît beaucoup, cette histoire. Ça me plaît beaucoup, cette butée de l'intraduisible, parce qu'au fond, c'est de cela dont je voulais tenter maladroitement de parler, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui fait obstacle à l'histoire universelle, c'est la capacité, ou même d'une manière générale à l'histoire globale, si vous voulez bien entendre par histoire globale ce qu'elle peut avoir de plus globalisant, c'est la contemporanéité, c'est-à-dire c'est la capacité qu'on a ou pas à mettre, à jointoyer, à ravauder différentes textures du temps quand, justement, la question, effectivement, de l'histoire du monde est celle que Serge Grusinski posait, quelle heure est-il là-bas ? D'une certaine manière, ce qui nous éloigne davantage que l'espace, davantage que la distance, c'est l'hétérogénéité des régimes d'historicité et c'est le fait que pour raccorder les temps, eh bien, ce n'est pas si facile. Maintenant, je voudrais vous dire une, faire une confidence qui a à voir aussi avec l'espace et l'oubli et la langue. C'est que si j'ai proposé comme titre, j'ai bien peur que je le fasse pendant les 40 minutes qui me sont imparties, que le gloser. Si j'ai proposé comme titre « Autre rivage », c'est aussi parce que je pensais à ce qui est peut-être mon écrivain préféré, mais dont je ne fais rien, au fond, comme historien, que je n'évoque jamais, c'est Nabokov, puisque « Autre rivage » est le nom de son autobiographie, où il raconte la Russie perdue, mais aussi la manière dont il ne se résigne pas à perdre sa langue. C'est le livre de l'enfance, de l'exil, de la mémoire, le livre de l'entre-deux des langues aussi, puisque, comme vous le savez peut-être, sûrement, Nabokov a commencé à travailler, enfin, à écrire une littérature russe, puis il a écrit une littérature américaine, Lolita, etc., autre rivage, puis il a fait ce geste inédit en réalité, à ce niveau-là de création littéraire, de traduire en russe ce qu'il avait écrit en anglais, c'est-à-dire de se remettre dans ce travail insensé, infernal, il disait atroce, qui consistait à, d'une certaine manière, avoir appris une langue qui n'était pas la sienne, l'anglais, suffisamment pour devenir écrivain dans cette langue, c'est-à-dire
d'abord se familiariser, puis ensuite nicher dans cette langue, cette étrangeté qu'on appelle un style. Et donc, puisqu'on sait bien que poétiquement, écrire, ça veut dire se rendre étranger dans sa propre langue, et ensuite, le retour, et à nouveau encore, l'effet retour sur cette langue redevenue familière. Et d'une certaine manière, il y a là une sorte d'effort qui est celui, je dirais, proprement, alors on pourrait dire de la littérature, bien sûr, mais je crois, c'est ce que j'ai essayé de dire, de l'histoire connectée, c'est-à-dire de l'histoire qui s'accepte comme plurielle, qui s'assume comme diverse, qui se résout à ne pas se dissoudre dans un récit vague et mal documenté qui viendrait faire patchwork des textures hétérogènes du temps, mais qui au contraire, au ras des situations locales, au plus près des archives, en ne mettant pas des idées générales dans la tête des acteurs, mais véritablement en prenant au sérieux ce qu'ils font quand ils font ce qu'ils font, eh bien, écrivent une histoire qui, par définition, puisque c'est l'histoire du monde, est tout un monde d'histoire. Bon, eh bien, ça, ce geste-là, il ne vaut dans toutes les... voilà, les tentatives d'écriture de l'histoire que vous avez sans doute en tête, Sanjay Subramaniam, Romain Bertrand, etc., que si ça aboutit à ce geste-là, qui est de battre les cartes de la familiarité et de l'étrangeté, c'est-à-dire de faire en sorte, ce qui est effectivement le propre, je pense, de notre travail, que ce qui nous paraissait bien loin est en réalité familier et qu'à l'inverse, ce qui était sous nos yeux nous semble étrangement familier ou d'une familière étrangeté. Bon. Tout un monde d'histoire, je ne savais pas qu'il était venu vous voir la semaine dernière, ça veut dire que ce qui nous importe, c'est aussi de faire droit à la diversité des histoires du monde. Et que c'est tout cela qu'on doit sauver, c'est toute cette texture du temps. Je prends un exemple qu'on a tous en tête, hein, évidemment, qui est la situation dramatique en Méditerranée aujourd'hui. Et vous savez que voilà, chaque jour, et ce jour-là apparemment, si on en croit les journaux d'aujourd'hui, en Syrie, est encore pire qu'hier. Et donc, l'urgence, elle est évidemment humanitaire, et c'est pourquoi il y a une association que je soutiens, qui s'appelle SOS Méditerranée, qui affrète un bateau, qui sauve des gens, mais pas seulement des gens, leurs histoires. C'est-à-dire qui, du même geste, empêche les gens de se noyer, mais empêche aussi leur mémoire, leurs histoires, leurs objets, de disparaître. Et c'est aussi un travail qu'on doit mener, qui est à mon avis indissociablement politique et politique, qui consiste à rassembler les histoires. Et ce n'est pas la partie, évidemment, par rapport à l'urgence de sauver des vies, ça peut paraître futile, mais en réalité, c'est pour vous, nous, intellectuels, quelque chose dont on doit toujours se persuader que ce n'est pas seulement le discours d'escorte de ce que l'on a à faire politiquement, mais la part la plus politique de ce qu'on doit faire aussi. C'est, je crois, ce que la force du livre de François Beaune, « La lune dans le puits », qui est plus qu'un livre d'ailleurs, qui est un livre qui vit, puisque c'est à partir du MUCEM, je crois, à Marseille, qu'il a commencé à collecter des histoires méditerranéennes et qu'il les a agencées en faisant le récit d'une vie imaginaire qui n'existe pas. Donc ça commence de la naissance à la mort, et puis il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Et au fond, c'est chacun parle à un moment de sa vie, mais dans différents lieux méditerranéens. Et pour une raison dont je ne suis pas absolument persuadé de comprendre enfin pourquoi, mais enfin bon, voilà, c'est pour ça qu'on cause, hein, c'est pour exprimer des choses qu'on n'est pas absolument
persuadé de comprendre soi-même. Il y a, en relisant ces textes, il y a une image qui m'a... Il y a une courte histoire qui m'a touché et qui a à voir avec ce qui nous rassemble et qui, d'ailleurs, donne le titre au livre. Marseille, février 2013. Leonardo Sciascia écrit que la vérité est au fond d'un puits. Vous regardez dans un puits, vous y voyez le soleil ou la lune, mais si vous vous jetez dans le puits, il n'y a plus ni soleil ni lune, il y a la vérité. Ce qui m'intéresse dans ces histoires vraies, ce n'est pas la vérité, nue, mais le soleil ou la lune qui se reflète sur l'eau éteinte au fond du puits. Il s'agit d'abord de raconter l'histoire, d'écouter. Leonardo a raison, la vérité est au fond d'un puits. Faisons bien attention à la laisser où elle est, tout au fond, pour son bien. Car la belle invisible, dans le fond, nage libre. Elle dort du puits, elle sort du puits quand elle veut, brandissant un miroir pour nous aveugler ou nous rendre lucides. Le reste du temps, elle se fait oublier. Quand le monde en surface devient irrespirable, on se jette pour mourir et renaître auprès d'elle. Tout cela dit, je crois, effectivement, le rapport qu'on doit avoir aux langues. Et quand même, je ne voudrais pas lâcher si facilement, parce que vous pourriez penser que c'est une facilité, cette question de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de ne pas savoir l'arabe. Permettez-moi une fable, aussi un souvenir, bien moins beau ou poignant ou retentissant que celui que je viens de lire. C'était peu de temps après le 13 novembre 2015, place de la République, comme d'habitude, en ce moment tout se passe place de la République, bon, ok. Les gens avaient commencé à marquer des slogans ou des messages à la craie par terre. Et on les lisait. C'était le dimanche, je crois. Bon, donc dans un moment quand même encore recueilli. Et puis, dans toutes ces différentes langues, il y en avait une en arabe. Les gens étaient autour. J'étais avec ces gens. Regarde. On pense qu'elle est là pour notre bien. Mais à un moment, un doute s'installe. Parce que pour celui qui ne sait pas l'arabe, c'est la langue de l'autre. Et à certains moments, ça peut devenir la langue de la peur. Qu'est-ce qui est écrit ? Je veux bien me recueillir devant une parole, devant tout un monde d'histoire, mais là, qu'est-ce qui est écrit ? Il y avait à côté de moi un couple de sexagénaires dont je voyais qu'ils étaient pleins de la bonne volonté culturelle, comme dit Pierre Bourdieu, ils étaient tout prêts à y aller, mais ils n'avaient pas non plus envie de se laisser embarquer à un endroit où ils ne souhaitaient pas qu'on les y voie. Il y avait à côté d'eux quelqu'un dont ils pouvaient penser, du fait de son faciès, qu'il savait l'arabe. Ce qui est là, pour le coup, une sorte de délit de faciès inversé. Alors il se tourne vers lui. C'est le traducteur. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Et là, ce jeune homme dit, c'est pas bien ce qu'il y a écrit. Là, non, c'est une bêtise. Et là, le doute commence à s'épaissir. Et le couple dit, mais on peut savoir ce qu'il y a écrit ? Ben, il y a marqué non au terrorisme, non à l'islam. C'est pas bien, c'est idiot. Alors le couple dit, ah ben oui, c'est idiot. Voilà. Et à ce moment-là, dans cette sorte de peur, à un moment d'être devant un slogan idiotement djihadiste, c'était ça, qui se retournait devant une sorte de sentiment plus rassuré d'être devant une idiotie plus ordinaire, qui était nôtre, se jouait comme un soulagement, comme une sorte de cours accéléré, hein, qui
montre que, bah, évidemment, plein de gens savent l'arabe, et pas seulement, effectivement, ceux dont on nous apprend à avoir peur. Et il y avait là quelque chose, effectivement, qui me faisait penser qu'il n'était pas totalement absurde de vous parler aujourd'hui de ce que... Alors, il y a deux manières de faire. À partir de là, on pourrait bifurquer. Moi, si on était dans une réunion politique, mais peut-être qu'on est dans une réunion politique, après tout, je dirais quelque chose comme, bon, la France a eu longtemps une politique arabe, ça a eu des effets contrastés, disons, ça serait peut-être pas mal qu'aujourd'hui elle ait une politique de l'arabe. Une politique de promotion de l'arabe comme langue civile. Ce qui est évidemment, on le voit, une nécessité tellement aveuglante hein, qu'aujourd'hui, elle est d'une certaine manière encore contournée parce qu'on voit bien que la première réaction qu'on a enregistrée ou subie, toujours après les attentats et avec une rapidité dans l'incitation bureaucratique que moi je n'avais jamais connue, je n'ai jamais de ma vie reçu un mail, parce que c'est ça qui s'est passé, un mail de la direction du CNRS disant 15 jours après des événements, nous devons nous organiser pour comprendre ce qui nous arrive. Et d'ailleurs, le CNRS débloque des crédits spéciaux et vous êtes donc invité à rattraper le retard que la France a vis-à-vis de la connaissance du terrorisme djihadiste mondial. Quand on a lu un petit peu ce que ce genre de savoir d'État a produit, notamment aux États-Unis depuis 2001, vous pouvez lire pour ça le livre de Jenny Raflick, par exemple, sur terrorisme et mondialisation, comment d'une certaine manière la mathématisation des sciences sociales qui avait été impulsé avec une sorte de sauvage rapidité également par l'administration américaine après le 11 septembre a produit très rapidement une science efflorescente qui crée des profils types de djihadistes qui sont suffisamment modélisés pour pouvoir programmer des drones. Eh bien, on peut se dire qu'il y avait de quoi s'inquiéter. Mais bon, voilà, on va peut-être, je ne sais pas, après on peut discuter, mais je me disais, on va essayer de fâcher personne et de faire un petit pas de côté, celui qui fait mon ordinaire, puisque je suis médiéviste, et dire, bon, ben, voilà, au fond, est-ce qu'on ne peut pas parler, est-ce que je ne peux pas vous parler, là, dans les quelques minutes qui me restent, d'histoire médiévale qui pourrait un petit peu éclairer tout ça. Au fond, lorsque Pierre le Vénérable se dit « Écoutez, les gars, là, je crois qu'il y a urgence, on va peut-être assez rapidement traduire le Coran parce qu'il vaudrait mieux savoir de quoi il retourne. » On sait bien aujourd'hui, Pierre le Vénérable à Bethlehem, dans ce moment clé, les années 1140, qui est le moment Dominique Ngapra, ordonner, exclure, effectivement, hiérarchiser les savoirs, etc. Bon, à un moment précisément où, évidemment, se dit en arabe, puisque les Arabes ne sont pas seulement les traducteurs, mais les commentateurs, effectivement, de la reprise du savoir qu'on devrait appeler le savoir arabo-latin, qui constitue la scolastique à partir du XIIIe siècle, tout ça. Se joue dans ces années-là, 1140. Et évidemment, l'impulsion, elle est non seulement politique, mais elle est polémique. Il nous faut rapidement une traduction du Coran, parce que ce sont maintenant clairement nos adversaires. Et de ça, cette question-là, je pense qu'elle me semble intéressante parce que ça pose le problème de ce que c'est qu'une connaissance de combat. Quelle que soit d'ailleurs la dignité du combat.
puisque, d'une certaine manière, nous pouvons aussi nous estimer aujourd'hui dans un combat où nous sommes armés de nos bonnes intentions. La question étant de savoir si s'armer de bonnes intentions suffit toujours. Mais en tout cas, ça reste quand même une connaissance de combat, et une chose est certaine, c'est que dans l'esprit de notre camarade, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, là, il n'y avait pas de bonnes intentions. Et donc, c'est cette question-là que je voulais rapidement, mais suggérer davantage que traiter. Quelles histoires pour la Méditerranée ? Ben, vous savez très bien ce qu'il y a derrière. Il y a cette volonté ardente de réconcilier les histoires, de faire des manuels communs. On en a fait, notamment à l'initiative de nos collègues marocains, une histoire commune de la Méditerranée. Bon. Il y a aussi, on le voit bien, la crainte que cette histoire accordée, réaccordée, puisse d'une certaine manière disparaître sous le poids de ses bonnes intentions. Évidemment, il y a deux manières de dire. Il y a la manière un peu dure, un peu stricte, un peu raide de Sanjay Subramaniam qui dit l'enfer historiographique est pavé de bonnes intentions, et une chose est certaine, c'est qu'un historien qui n'est pas suffisamment méchant, eh bien, il ne produira jamais de bons résultats. Alors, évidemment, de ce point de vue-là, et lui, on peut lui faire confiance, il a effectivement, il remplit ce programme avec talent. Bon, d'une certaine manière, il est certain que c'est quelque chose qu'on peut... comment dire là encore, je vous dis ça d'une manière volontairement décousue, parce que je pense que c'est sujet à discussion et que je ne sais pas trop quoi en penser. Il peut avoir, peut exister des moments où il est préférable de s'appuyer sur une historiographie des bonnes intentions quand tant de méchantes pensées, elles ne prennent pas de masque pour s'exprimer et pour agir. Bon. Mais quand même, au fond, la question qui se pose, c'est toujours celle de la manière dont on peut raconter une histoire de circulation, de contact, d'échange, de métissage, une histoire qui circule et pas une histoire qui, justement, demeure irréductiblement prise dans ce qu'Achille Membé nomme l'enclos, sans irénisme et sans se faire accuser, effectivement, d'angélisme. Je voudrais donner un exemple qui est un exemple que j'aime bien parce qu'il me semble, au fond, désigner quelque chose comme la pluralité des histoires méditerranéennes qu'on peut espérer, alors là, en l'occurrence, en histoire médiévale, mais je choisis cet exemple parce que, d'une certaine manière, je crois qu'il peut, parler à tous. Il peut parler à tous parce qu'il pose le problème, je le fais à partir des travaux notamment de Benoît Grévin sur les origines médiévales de l'orientalisme, un livre qui est paru à l'École française de Rome sous le titre « Maghreb-Italie, des passeurs médiévaux à l'orientalisme moderne ». Évidemment, la question de l'orientalisme, voilà, on la pose depuis bien longtemps et on sait bien aujourd'hui l'insuffisance des thèses vénérables bien connues, mais qui ramènent l'orientalisme à ses intentions, alors qu'on sait bien que tout savoir s'indiscipline, c'est-à-dire que déborde inévitablement le cadre des intentions initiales. Et donc, au fond, ce qui est intéressant dans l'histoire des transferts culturels dans la Méditerranée
disons à partir du XIIe et du XIIIe siècle, et notamment de ce face-à-face entre le Maghreb et l'Italie, c'est qu'on voit que c'est une histoire ni de guerre, ni de tolérance, mais une histoire de trafic, de contrebande, de malentendus, de transfuges, de transferts, de pirates, de captifs, bref, ce que Pasolini appellerait une histoire corsaire. Et que, dès lors, si on part du principe que oui, les idées circulent, mais pas forcément pour des bonnes raisons, mais que d'une certaine manière, le fait qu'elles circulent, c'est toujours mieux qu'elles ne circulent pas, et que oui, les idées circulent, mais pas forcément parce qu'on veut les partager, et que d'une certaine manière, bien plus souvent, une idée, ça se vole, ça se trafique, ça se masque, ça se maquille comme une voiture volée bien davantage que ça s'échange librement, eh bien, tout cela crée effectivement les conditions d'un savoir qui est à la fois ouvert et déniaisé. Et c'est ça qu'il faudrait essayer de construire collectivement, c'est-à-dire une forme progressiste de la lucidité. Alors, je prends quelques exemples. Dans les années 1270, il y a un roi de Naples qui s'appelle Charles d'Anjou qui développe alors une politique africaine qui intègre toute la façade maghrébine jusqu'à l'Égypte à ses calculs. Sont des calculs mercantiles. Il s'agit effectivement d'aider les grandes compagnies commerciales italiennes, pour la plupart, à puiser notamment les matières premières essentielles, cuir, peau, produits tinctoriaux, nécessaires à l'industrie européenne. Et c'est là effectivement que commencent les échanges, qui sont des échanges pleinement intéressés. Et lorsqu'il reçoit par exemple, du sultan de Tunis, le grand traité médical du philosophe et médecin Al-Razi, puisque d'une certaine manière, les souverains médiévaux ne cherchent que deux choses. Ils n'en cherchent pas trois, ils cherchent deux choses. Ils cherchent à être en bonne santé et ils cherchent à connaître l'avenir. Bon, donc, ce qui les intéresse, c'est la médecine et l'astrologie. Donc, par conséquent, dans les deux cas, ce sont évidemment les savoirs arabes qui sont les plus en pointe. Si c'était autrement, ça ne les dérangerait pas, mais le fait que ça soit ainsi ne les dérange pas tant que ça. Donc, ça circule. Lorsqu'il a ce traité de médecine d'Al-Razi, qui va ensuite être traduit sous le titre « Liber continens », le roi Angevin en confie la décoration à une équipe d'enlumineurs dirigée par le juif sicilien Frag ibn Salim, qui provient probablement de la communauté juive que l'empereur Frédéric II installa à Palerme en 1239, qui est, disent les textes originaires du Garboum, c'est-à-dire qu'on peut, selon toute vraisemblance, l'identifier au Garbe marocain, en tout cas à l'Occident musulman. Donc on a de toute façon, dans toutes ces histoires, des milieux, qui sont évidemment des milieux diasporiques, les juifs de Sicile sont de langue arabe, comme vous le savez peut-être, et qui créent aussi les conditions, je dirais, d'un archipel des savoirs. La Sicile est dans une moindre mesure Malte, constitue évidemment la plaque tournante de ces échanges qui sont impulsés notamment, je l'ai dit, par la communauté juive de langue arabe. On pense au fameux Guglielmo Raimondo Moncada, alias Flavius Mithridate, qui, une fois converti, transporta dans les années 1470 et 1480 sa connaissance du Coran et des manuscrits arabes et judéo-arabes de magie, de mathématiques, dans toutes les cours italiennes de la Renaissance, qui, à ce moment-là, connaissent une véritable arabo-manie. Reste que ce qui, à ce moment-là, intéressait ces cours et ces gouvernants, c'était, là encore une fois, pas du tout de s'ouvrir à l'autre, mais de recevoir pour eux-mêmes ce qu'ils accordaient bien volontiers à l'autre d'avoir mieux que nous développé.
pour lui voler ultimement et retourner contre lui-même ses armes intellectuelles. Et donc, tout est affaire, effectivement, oui, je le répète, de trafic, de transfuge et de trahison. Prenons cette histoire que j'aime bien, celle de Diego de Urrea, capturé un siècle plus tard comme esclave sur une côte de Calabre pour être éduqué dans une madrassa de Tlemcen. Là, il apprend l'arabe, mais l'arabe classique, coranique, et devient interprète pour le sultan du Maroc, lui servant même d'agent officiel depuis l'ouest algérien jusqu'à Constantinople. On est à l'extrême fin du XVIe siècle. Lorsqu'il fut à nouveau capturé au large de Pantelleria par les catholiques, il se reconvertit, il enseigne l'arabe, le turc et le persan, mais cette fois-ci auprès de Philippe III, avant de terminer ses jours dans le royaume de Naples, où il meurt en 1615. Et c'est lui, Diego de Urrea, qui établit le catalogue des manuscrits arabes de la bibliothèque de l'Escorial et traduit le fameux livre de plomb du Sacromonte à Grenade, qui est un livre qu'on a prétendument découvert dans une grotte près de Grenade au moment même où l'on abattait le minaret de l'ancienne mosquée pour construire la cathédrale et dont on disait qu'il était écrit dans une langue salomonique, se donnant à voir comme un nouvel évangile transmis par la Vierge Marie qui présenterait une vision syncrétique du christianisme avec l'islam, abandonnant notamment les origines juives du Christ, le culte des images, enfin bref, proposant une religion moyennement raisonnée et convertible à tous, et qui va connaître un succès extraordinaire, immense, jusqu'à ce que le Vatican finisse par prononcer, mais seulement en 1682, l'anathème contre ce livre, qui établissait une origine historique commune aux chrétiens et aux arabes espagnols. Donc ces histoires sont à la fois des histoires d'aventuriers du savoir, qui produisent quand même des avancées prodigieuses, mais qu'ils les produisent en toute mauvaise foi. Voilà. Et c'est cela qui est, me semble-t-il, à la fois réjouissant, réconfortant, rassurant, enfin, je veux dire, voilà, et qui nous permet de faire calmement, sans être pris effectivement pour des naïfs, une histoire qui ne se ramène pas à l'inépuisable et désespérante chronique de la confrontation. Une histoire corsaire, donc, de la Méditerranée, est une histoire qui n'est pas seulement, vous le voyez, une histoire frôleuse, puisque Braudel, voilà, donc il n'est pas besoin, évidemment, de dire combien le livre sur la Méditerranée fut révolutionnaire. Braudel, au fond, a pour l'essentiel écrit une histoire des pays riverains de la Méditerranée. Et tous les livres post-brodéliens, David Aboulafia et les autres, disent, au fond, cette histoire très littoralisée, cette histoire frôleuse, eh bien, on doit pouvoir, effectivement, véritablement la dépasser en allant voir la vérité au fond du puits. C'est-à-dire en allant au cœur de la Méditerranée, en faisant le passage, et en se situant précisément là où c'est le plus intensément documenté, c'est-à-dire dans les îles, Pantelleria, Lampedusa, Kos. Et ce sont les mêmes qu'aujourd'hui. Ce sont les mêmes qu'aujourd'hui parce que là, on a une histoire qui est une histoire, sinon immobile, du moins très lente, qui est celle des écosystèmes, des flux marins, des courants, des vents dominants, et donc des lieux de transit. Donc ce n'est pas d'hier que l'on s'échoue à Lampedusa et à Pantelleria. Ce n'est pas d'hier qu'il y a des réfugiés à cause. Et d'une certaine manière,
pour retrouver la dignité de cette histoire, pour en faire tout un monde d'histoire, il faut ne pas se laisser aveugler par l'arrogance du présent et retrouver toute l'histoire de ces lieux, qui sont des lieux intensément documentés. Lampedusa, c'est magnifique. Et c'est pas l'île, hein. L'île elle-même est assez grise, mais là, on peut faire une histoire et on va commencer à le faire collectivement. On commence à Berlin en octobre. Une histoire longue de Lampedusa. Précisément parce que depuis le Moyen-Âge, on s'y arrête. Et que lorsque on fait l'histoire de ces espaces en longue durée, alors d'ailleurs, je ne dirais pas que notre actualité devient réconfortante. Elle est encore plus désespérante parce qu'on voit d'une certaine manière que c'est le piège se referme dans des espaces qui ont été dans l'histoire le plus souvent des espaces de passage. Voilà. Lorsque cela va sortir sur les écrans, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir Fuoco Amare de Gianfranco Rossi, qui est un livre sur un film sur Lampedusa qui a eu l'Ours d'or à Berlin, qui suit l'histoire de l'île à hauteur d'enfant. C'est un petit garçon de l'île qui va sur la plage et puis qui revient chez lui. Et puis on voit justement aussi que cette île est une île. Ça veut dire que, comme toute île, les gens cherchent à ne pas voir la mer. Et donc, y a un centre, y a des campagnes, y a des gens qui cherchent obstinément à ne jamais voir la mer. Bon. Et donc, de même qu'on peut dire qu'on peut continuer Braudel en ne cessant pas, enfin, en ne voyant pas seulement les rives de la Méditerranée, mais en allant voir le passage, en se risquant à la traverser, en faisant une histoire de l'archipel de ce monde d'histoire, autant on peut dire que justement lorsqu'on est dans ces îles, on ne doit pas non plus se contenter de rester sur la plage. Et au fond, on peut reprocher à l'histoire connectée d'être une histoire des plages. Je sais pas, une histoire pour faire des livres de plage, mais une histoire frôleuse, une histoire flatteuse, une histoire qui reste justement sur le bord. Sur le bord, souvent les choses vont plutôt mieux qu'on le pense. Et ensuite, à l'intérieur, que ça peut se compliquer, et notamment à l'intérieur du temps. Alors faire l'histoire de la Méditerranée, faire d'autres histoires de la Méditerranée, c'est évidemment cela. C'est aussi faire l'histoire de la Méditerranée, je dirais, au miroir d'autres espaces. Je sais que Éric Vallet, collègue et ami, est lié ou a été lié, je ne sais pas, à la semaine arabe. Et vous savez qu'il a achevé un grand programme de recherche très important sur l'océan Indien et la Méditerranée au miroir de leur propre représentation pendant l'époque médiévale. C'est très important, en particulier lorsqu'on prend cette histoire du point de vue arabe, comme Christophe Picard l'a fait dans son livre récent qui s'appelle « La mer des califes », qui est effectivement une histoire méditerranéenne vue effectivement de la capacité que les puissances des gouvernements islamiques ont eu à l'administrer, en particulier avec, notamment, au-delà simplement de ces connaissances de combat que sont la géographie, et en particulier la géographie impériale abbasside, tous ces États qui, justement, qu'on appelle, nous, les États corsaires, afsides, etc., qui avaient une politique méditerranéenne. Mais cette politique méditerranéenne, elle ne se peut comprendre que si on comprend, que si on saisit qu'elle est l'envers, en fait, de la grande politique arabe, qui est la politique de l'océan Indien. Puisqu'il y a deux mers dans la représentation du monde par les géographes arabes à ce moment-là, et jusqu'au XVIe et XVIIe siècle. Il y a la mer du commerce,
qui est l'océan Indien, puisque là bat le cœur du monde. Et il y a la mer des litiges, la mer du conflit, la mer du djihad, qui est la Méditerranée. Et si on s'y intéresse beaucoup moins, c'est parce qu'on s'intéresse beaucoup moins à la guerre qu'au commerce. Et si on la regarde moins intensément, c'est parce qu'elle est objectivement moins intéressante pour ce qui est, à ce moment-là, le grand projet, évidemment, de notamment Mamelouk et Ottoman, c'est-à-dire le commerce, et donc l'ouverture, effectivement, à l'océan Indien. C'est par cet effet de symétrie que je voudrais terminer. Je faisais allusion à ce qui, j'imagine, évidemment, inquiète, hante, obsède le programme de la semaine arabe, hein, pas perdu en Méditerranée, c'est-à-dire la certitude, au fond, que se joue là, dans la capacité à réarmer l'idée d'hospitalité, de la réarmer au sens propre, c'est-à-dire d'entendre qu'en elle gronde la bataille, une bataille des mots, puisqu'elle dit deux choses, parce qu'elle a deux étymologies, vous le savez bien, elle dit « hospes » et elle dit « hostis ». Elle dit « hospes » parce que l'étranger est celui qu'on accueille déjà dans le monde gréco-latin et que ici, je suis votre hôte et vous êtes mes hôtes, et c'est le même mot. Et cette indécision de la langue dit quelque chose d'insensé quand on y réfléchit, qui est que l'hospitalité est inconditionnelle. C'est-à-dire que l'étranger est celui dont on ne dit pas le nom, dont on ne demande pas le nom, puisque à ce moment-là, qui est le moment de la réciprocité, hospes, on a le même nom. Hôte, hôte. Ça, c'est la partie joyeuse. La partie inquiétante qu'on doit regarder du même front, c'est que ce mot dit aussi hostis, ennemi, et la relation ennemi-ennemi, ce que, effectivement, Achille Mbembe appelle la politique de l'inimitié, c'est aussi une réciprocité. Et donc, dans son grand texte de l'hospitalité, Derrida expliquait qu'il fallait considérer du même front le fait que l'hospitalité est inconditionnelle et conditionnelle. Et que ces deux choses en même temps contradictoires, mais également vraies, doivent être saisies comme, effectivement, venant d'une très longue histoire. On peut aussi considérer que ce que nous avons à regarder est aussi simplement le passé récent. Et de savoir si, effectivement, parce que c'est sur ce passé récent qu'on peut être jugé. Et je voudrais, pour terminer, vous lire simplement, c'est un peu long, mais voilà, la dernière, réponse à la dernière question qu'un journal japonais adressait à Michel Foucault le 17 août 1979 sur la crise des boat people. Crise des réfugiés. Et donc la question, effectivement, quand on lit ce texte-là, eh bien, on doit effectivement foucaldiser Foucault. C'est-à-dire, voilà, Foucault, il nous intéresse aujourd'hui parce qu'il nous apprend il nous réapprend ce que c'est que l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, au fond, sert à comprendre en quoi notre aujourd'hui diffère d'hier. Voilà. Et donc, il suffit, ça, c'est un hier qui n'est pas médiéval, c'est 1979. Donc, la seule question, c'est de savoir, est-ce que entre 1979 et aujourd'hui, où apparemment, effectivement, le golfe de Siam semblait plus près en 1979 que l'autre rive de la Méditerranée aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a différé? Bon, je lis.
Au XXe siècle, il y a eu souvent des génocides et des persécutions ethniques. Je pense que dans un avenir proche, ces problèmes et ces phénomènes se manifesteront de nouveau sous d'autres formes. Car premièrement, ces dernières années, le nombre d'États dictatoriaux augmente plus qu'il ne baisse. Puisque l'expression politique est impossible dans leur pays et qu'ils n'ont pas la force nécessaire à la résistance, les hommes réprimés par la dictature choisiront d'échapper à l'enfer. Deuxièmement, dans les anciennes colonies, on a créé des États en respectant telles quelles les frontières de l'époque coloniale, si bien que des ethnies, des langues et des religions sont mêlées. Ce phénomène crée des tensions graves. Dans ces pays, des antagonismes au sein de la population risquent d'exploser et d'entraîner le déplacement massif de la population et l'effondrement de l'appareil d'État. Troisièmement, les puissances économiques développées, qui avaient besoin de la main-d'œuvre du tiers-monde et des pays en voie de développement, ont fait venir des immigrés du Portugal, d'Algérie ou d'Afrique. Mais aujourd'hui, les pays qui n'ont plus besoin de main-d'œuvre, en raison de l'évolution technologique, cherchent à renvoyer ces immigrés. Tous ces problèmes entraînent celui des migrations de population, impliquant des centaines de milliers et des millions de personnes. Et les migrations de population deviennent nécessairement douloureuses et tragiques et ne peuvent que s'accompagner de morts et de meurtres. Je crains que ce qui se passe au Vietnam ne soit pas seulement une séquelle du passé, mais que cela constitue un présage de l'avenir. Merci de votre attention.